de quelle marque pas de ponctuation marque. Ça, faut déjà commencer par comment? Faut déjà commencer par là. Là, c'est la fin. Beaucoup de fautes sur presque toutes les lignes, comme rayé, plein, noir et est-il. Et rayé, normalement, c'est pas avec et e, normalement, c'est avec et. Plein, normalement il n'y a pas de S. Et noir, normalement il n'y a pas de E. Comment les éviter et pourquoi? Nous pouvons remplacer les répétitions par des synonymes ou des pronoms. Exemple, le chat mange, le chat joue, le chat va dormir. On peut remplacer par le chat mange. Vous avez choisi de travailler sur quel col? Sur comment écrire, comment savoir si on écrit AS avec accent grave ou A. Comment vous allez faire pour répondre à cette colle? On va chercher sur internet, on va utiliser le dictionnaire, pas que ça, et on va utiliser aussi notre tête. Et le résultat de vos recherches, vous allez le mettre où? Sur OpenOffice, et ensuite on va l'imprimer pour nous. D'accord, merci. Ok, travaillez bien. Oui, c'est inversé en fait, les deux. Bah non, S-E-S, c'est possessif. C'est à lui. Démonstratif, exemple, à lui. CES, ensuite. CES, c'est possessif. C'est possessif d'être que c'est dans la phrase. Tu t'es trompé. C'est l'autre. CES. Ah. Aujourd'hui, il y a eu un vol. Le voleur avait descendu l'escalier de la maison, le butin accroché à son épaule une fois dans la rue. C'est quel temps en plus? Bah c'est du plus que parfait. Et ça se conjugue comment? Bah pour conjuguer le plus que parfait, regarde, tiens, j'ai une leçon là-dessus. Pour conjuguer plus que parfait, faut que tu conjugues au passé composé, puis tu mets l'auxiliaire à l'imparfait. Par exemple, il a mangé. Par exemple, il a mangé. Bah, c'est au passé composé. Puis il suffit de mettre « à l'imparfait et ça donne « il avait mangé ». Mais t'es vraiment naze, t'es loin d'être plus que parfait, toi. Ah, voilà, débarrassé. À bientôt, avec « Je t'apprendrai ». Un requin s'aidait avec un lecteur à marteau. Un loup à épiler pour une pince à garrot. Un stylo monsieur qui dessine un croque-plume. Un gratte-ban pour une salle de ciel. Un toilette en cuir pour une veste bouchée. Un flamand bernard avec un saint rose. Un poisson d'Asie avec un éléphant de la lune. Un vélo aquatique.